Bonsoir tout le monde, c'est Tino, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Super NES 6 une excellente année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que les deux dernières années que nous venons de passer, parce que là, putain, on n'en peut plus. Ensuite, on tenait à s'excuser pour la qualité du son de l'intro et de l'outro, car en effet, pour ceux qui ne le savent pas, Super NES a attrapé le Covid. Donc, on a dû travailler à distance. Mais bon, vous inquiétez pas, il va revenir en forme et on va tout péter. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Yo! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Pourquoi je vous dis à chaque fois qu'elle est spéciale, la vidéo, comme si en fait, toutes les vidéos étaient normales? Oui, à chaque fois, je vous dis qu'elles sont spéciales. Oui, parce que regarder mes vidéos, c'est spécial. Il y a un problème? Alors, pourquoi elle est vraiment spéciale aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai réussi à privatiser une séance Spider-Man No Way Home pour la regarder avec mes amis. Alors, j'explique. Le truc, il était simple. J'ai demandé au White Cinema, est-ce qu'il est possible de prendre une séance normale? Parce qu'à savoir que la critique, d'habitude, on la fait le matin. Et bon, le matin, tout le monde ne peut pas être là. Il y a des gens qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, etc. Donc, j'aurais dit, est-ce que c'est possible de prendre une séance normale du soir et de la rendre privée pour moi-même? Ils m'ont dit, texto, c'est bien parce que c'est toi. Pour toi, on veut bien le faire. Très honoré. J'ai dit, ok, d'accord, les gars, il y a combien de places à vendre? Ils m'ont dit, il y en a 68-70. Là, dans ma tête, je me suis dit, waouh, il faut que je vende 70 places. J'espère que ça va le faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui suivent mes vidéos, qui suivent mes réseaux, vous avez pu le constater parce que vous en avez sûrement fait partie. En fait, j'ai mis en story Instagram, les gars, qui est chaud d'aller voir Spider-Man No Way Home avec moi? Et j'ai fait un petit sondage. J'ai vu que des gens étaient assez chauds d'aller le voir, d'attendre, de pas se faire spoiler jusqu'à la date fatidique, parce que oui, on a dû le voir le lundi 20. Donc, quelques jours après la sortie du film. Heureusement, on n'a pas trop été spoil, même si on savait déjà pas mal de choses. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir aussi un truc. C'est que le White m'a permis d'organiser ça un lundi. Pourquoi un lundi? Chez eux, le lundi, les films sont à 5€. Ce qui fait qu'au final, j'ai pu regarder le film avec mes amis. Ils ont pu ne payer que 5€. Allier l'utile à l'agréable. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, j'ai mis sur ma story le nombre de places qui restaient. Et en 3 jours, les 70 places étaient vendues. 70 places en 3 jours. Pour les Français qui regardent, 70 places en 3 jours. Parce que oui, nous on sait que 70, c'est 70. Vous, à chaque fois qu'on dit 70, c'est toujours en mode ça veut dire quoi? Il n'y en a pas un seul qui va apprendre une fois à comprendre. Non, vous voulez pas. Nous, on a compris comment c'est chez nous. Et chez vous, il n'y a que chez vous que ça vous intéresse. C'est ça en fait. C'est ça. Bon, ça, je pense que je vais arrêter de parler et je vais vous montrer directement ce que ça a donné. Soyez civilisés, criez pas. C'est quel exemple ça? C'est le seul. Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Super NES. Abonnez-vous. Abonnez-vous, exactement. J'espère que vous êtes tous abonnés dans cette salle. D'accord? J'espère. J'ai vérifié. Ok. Du coup. Aujourd'hui, on est ensemble pour regarder, vivre un moment historique. On va regarder Spider-Man No Way Home. On attend depuis un petit temps. Je me fais harceler tous les jours par mon petit frère qui me dit « t'aurais pu prendre une séance plus tôt ». En effet. On s'est battu contre les spoils. Mon petit frère, un petit peu spoil, mais pas trop pour encore kiffer. On est tous là en tant que fans. Donc, n'hésitez surtout pas à... soyez expressifs. N'hésitez surtout pas à être expressifs. Pleurez, rigolez, mettez votre vie en doute. C'est le moment. Et premièrement, j'aimerais surtout d'abord
vous remercier à tous d'être là aujourd'hui, parce que quand même, 70 places qui se vendent en 3 jours, c'est pas une blague. Donc, merci. Ensuite, on peut également remercier le White Cinema de nous permettre justement de pouvoir avoir une séance rien qu'à nous. Yes! Je sais qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à la suite parce qu'on a entendu énormément de choses, comme quoi c'était incroyable, comme quoi c'était le meilleur film Spider-Man et toutes ces choses-là. On a tous des attentes, je sais que par exemple mon petit frère, c'est que, en tout cas, si par mégarde il y aurait par hasard les trois Spider-Man dans ce film, c'est qu'en plus de leur présence, il y a leur musique, leur film. Pour ceux qui savent, ils savent très bien à quel point c'est important. Et l'autre chose, juste avant qu'on commence, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ici? Quoi ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film No Way Home là? Brûlons-le! Ok, du coup, ça on va pas tarder, on va pas en faire des caisses, juste, on va essayer au maximum de pouvoir faire notre critique juste après, étant donné que le White Cinema doit fermer, on va essayer de faire ça sur les fauteuils qui sont à l'extérieur, comme ça entre nous on peut en discuter, sinon bah, ça sera une fois, on devra essayer de faire au mieux, sinon on le fera dans la rue, on s'en bat les steaks, d'accord? Dans tous les cas, on fait la critique juste après, on a vu. Oui, juste, t'as un truc, c'est quoi, c'est ton choix ou c'est comment? T'as un pour un prof? Ouais, c'est quoi, ça va savoir? Vas-y. Je veux pas être pire que Black Widow, quand même. Oh, et là, ça commence avec des bails comme ça, moi je veux pas savoir, je sais pas. Ok, en tout, non, pas, sûr, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va le comprendre, contrairement à Eternals. Donc, voilà, les amis. Oui, bonsoir, vous êtes mon père, c'est ça? Oui. Ça dure combien de temps? Comment, le film dure combien de temps? Je crois 2h35 à peu près. Tu sais, normalement, c'est la tisane et dodo à la peur. Est-ce qu'on verra votre âme? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Papa, s'il te plaît, papa! C'est le moment où tu dois faire genre, c'est grâce à toi que je connais tout ça. Non, c'est la vérité, en plus, c'est grâce à lui que je connais tout ça. Il collectionnait les BD Strange au Maroc. Avec mon grand-père, les Bantous et. Donc ça ne blague pas. Donc les amis, merci à tous d'être là, merci au White. Abonnez-vous, likez, commentez ceux qui vont voir cette vidéo. Et je vous souhaite tout simplement un très très bon film. C'est parti! Avant ça. Attendez, la tête de ma mère joue à un téléphone. On va se battre. Les gens là qui vont sur Insta pour voir qui a vu leur story au milieu du film, ça va pas le faire. Tu sais très bien de qui je parle, frérot. Ok. S'il vous plaît. Donc, bon film à tous et à tout à l'heure. Ah oui, et une dernière chose. Ça fait mon corps. Le fait de voir un film avec moi, c'est aussi kiffer un film avec un son décent. Donc ici, Thierry va nous mettre le film avec un son à 6.4. Ça blague pas. D'habitude, les séances, c'est combien? 4.8. Là, on est à 6.4. Mais ton 10. D'accord. Is you? Oh, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, vous avez vu nos réactions, à quel point on était hyper heureux. Bon, j'aurais préféré qu'on ait un truc un peu plus large, qu'on puisse voir tout le monde, mais c'est pas grave, à charge de revanche, il y a Doctor Strange 2 qui arrive, qui je pense pourrait être aussi intéressant à filmer, donc on verra bien. Merci tout le monde, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont réservé aussi vite que la lumière, merci à ceux qui sont venus le jour même, alors qu'ils ont réservé, parce qu'il y en a qui ont réservé qui ne sont pas venus, mais c'est pas grave, il y a des gens sur la liste d'attente qui étaient chauds patates, donc c'est eux qui ont pu venir. Merci pour votre confiance également, parce que je pensais pas que
que autant de gens viendraient voir le film avec moi. Et merci à vous qui êtes abonnés à la page, parce que sans cette page, j'aurais jamais pu réaliser mes rêves. J'ai pu faire l'épisode 1000 de One Piece et Spider-Man No Way Home. Et du coup, merci à l'équipe technique également d'avoir été là, Abdel et Tino. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, vous qui étiez là dans cette salle. Et si vous n'étiez pas avec nous, c'est pas grave, la prochaine fois, mais dites-nous aussi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Du coup, à bientôt et tchuss.